Hey, maman, s'il te plaît, je veux qu'on parle. Viens pour t'asseoir. Oui, c'est quoi? Tu sais, Emma, je suis quittée loin de Yaoundé pour venir ici à Douala pour toi. Oui. Donc, je veux être sûr si tu es vraiment un garçon sérieux, comme tu m'as dit. Mais, Marissa, je t'ai dit, comme je t'ai dit au téléphone depuis qu'on cause, je suis tout seul, je ne suis pas en couple. Parce que je ne veux pas m'engager dans une relation où j'aurai les maux de tête. Tu vois, j'ai fait un déplacement juste pour toi, de Yaoundé, pour Douala. J'apprécie le sacrifice, j'apprécie. Et ça me va droit au cœur. Sans te mentir, moi aussi j'ai besoin d'une relation sérieuse et stable. Tu vois, mes précédentes relations m'ont beaucoup causé du tort. Okay. Ça fait à peine un mois que j'étais avec une fille et elle est partie comme ça, avec des prétextes bidons. Donc, s'il te plaît, crois-moi. Ok, parce que vraiment, je tiens déjà à toi. Donc, ne me déçois pas. T'inquiète pas, tu ne vas pas regretter. Ok. Je vais pas. La chaussure du femme que coche mon voisin. Tu n'as pas chassé notre fils là, le dernier roman. Il a encore le culot de venir avec une autre fille. Mais ça, c'est la babou d'une femme. Non, tu ne peux pas laisser ça comme ça. Tu ne peux pas. C'est quand même mon voisin, c'est mon meilleur voisin, c'est le seul voisin que j'ai. Il ne peut pas, je ne peux pas le partager. J'arrive en tête de mon sol, il vient gâter ça. Voisin, mon meilleur voisin, c'est comment? Tu n'as pas fait sport aujourd'hui? J'ai fait le sport le matin. Ouais, pourquoi tu te rends comme ça là? Oh là là. C'est quoi, voisin? Ouais, voisin. En fait, non. Tu vois, la dernière fois au restaurant, je venais m'excuser pour encore ça, tu vois. Non, il y a pas de problème. Non, non, laisse-moi parler. Attends, il parle. Je me suis mal comporté parce qu'il y avait mes règles, tu vois. Quand la femme a ses règles, elle est souvent de mauvaise humeur. Hein? Oui. Je veux qu'on recommence à zéro. Je veux que tout soit encore comme au départ, tu vois, non? Hein? J'aimerais que tu me laisses faire cette fois-ci. Hein? Même si c'est quoi? Tu veux quoi? L'entrée, sortir, la connexion, le chargeur. Je suis là aujourd'hui. Tu vois un peu, non? Tu croyais que tu faisais des choses à la début. Demain, quand on commence encore, comme au départ, comme tu venais d'appeler dans la cité ici-là. Hé, voisin, toi, regarde. Regarde. Hé, voisin. Il n'y a pas de problème, voisin, bye. Non, bye, ouais, voisin. Bye, comment, non? C'est quoi? Ouais, papa. Regarde, s'il te plaît, pour le moment, j'ai des résolutions, donc je ne voudrais plus que toi et moi, on arrive à. Hey man, c'est qui ici? Hey voisin, je pensais que tu étais seule. Excuse-moi, moi c'est Megan. Et toi? Je suis la voisine d'Eman. C'est-à-dire que quand tu n'es pas souvent là, c'est moi qui recharge le wifi ici. En plus, elle a le toupet de me parler ici, Eman. Non, bébé, tu vois, c'est ma voisine. Comme tu l'as était dans ça, elle a une petite. Hey man, je suis venue ici parce que je pensais que tu étais un garçon sérieux. Donc, vous allez continuer à faire vos entrées sorties ensemble. Je suis sérieux. Megan, explique, pardon. Dis la Megan, explique ce qui se passe. Je me déplace pour Yaoundé. Je suis sérieux, bébé. Voir un Megan, dis la donne. Bébé, s'il te plaît. Bébé, chérie. Bébé. Ne m'appelle plus, chérie. Si tu me poursuis, je vais crier au voleur ici. Bébé, pardon. Malchance. C'est la voisine. Connectez-vous. Bébé, Megan. Bébé. Mon voisin supplie les femmes, alors que je suis là, dans la cité, c'est à Douala. Comment ça? Il faut que moi, je supplie la femme. En tout cas, j'ai dit et je redis, aucune femme ne va entrer ce temps que je suis là. Il finit par me trouver ici. Mégane, vas-y, bébé! Mégane, c'est quoi, vas-y? Pourquoi tu fais ça? C'est quoi, vas-y? C'est quoi? Elle est partie maintenant, tu as gagné quoi? Tu as gagné quoi? Ok, ça va, alors, on entre. On entre où? Que tu veux me collecter nos voisines? Non, Emman, après tout le spectacle qui vient se passer, c'est moi je n'ai plus le goût là, je n'ai plus l'envie de te faire ça. Tu sais que tu venais me connecter nos voisines? Je venais te connecter, mais tout le spectacle, tu peux pas me dire que tu t'avais une fille. Tu venais t'excuser, non, Megan? Je venais m'excuser, mais je n'ai plus le goût, tu attends une fois. Non, Megan, Megan, tu sais ce que t'as, tu sais, j'ai payé le transport de Yaoundé pour voir là. Emman, ça nous. Mais non, tu fais quoi? Tu me tournes le dos, Megan, t'es tout que tu fais ça, je vais te taper aujourd'hui, voisine, pardon, entre doucement.
entre doucement, tu me connectes. Je ne veux pas le problème aujourd'hui. Il était chaud. J'avais la viande dans la bouche. Tu retires, tu jettes. Tu me dis que je vais dormir affamé. Non, non, ça va se passer comme ça. Entre. Oui. Entre, pardon, je ne veux pas le problème. Entre, tu me connectes. Ouais, je suis plus chaud. Mais je vais te taper, Mégane. Je vais te taper, voisine. Je suis en train de blâmer, pardon. Entre doucement, tu me connectes. Ouais. Je ne veux plus. J'avoue tout le spectacle. C'est là, moi, je n'ai plus le vinaigre. Voisine, tu me fais. Je vais te gifler. Tu dis encore ça. Et que je vais te gifler. Ne t'en même plus. Elles sont crabes. Aujourd'hui, c'est là, non. Tu vas me connecter. Même si c'est pas faux, tu vas me connecter aujourd'hui. On ne crabe pas la femme que tu fais quoi. Tous les jours, tu. Celle-ci passe, celle-ci vient. Tu me fais quoi. Hein? Tu viens, je vais te connecter, je vais te brancher. Voilà maintenant l'autre qui vient de partir. Il y a un peu de transport de yaourt de pouvoir à combien. Pas là, tu laisses avant mon avis. Ok, tu vas me connecter. Non. Ah. Les gars, je vais te taper. Hein? Ouais, voisin. Non, moi je vais te taper, je veux pas les trucs comme moi. Je suis pas ton voisin aujourd'hui. Eman, Eman, Eman. C'est quoi le problème? Demande à Eman. Je demande à Eman. Oui. C'est quoi? Demande à Mégane. Les gars, moi je veux pas de problème, s'il te plaît. Je suis un enfant. Demande à Mégane, demande. En tout cas, hein? Comme tu ne veux pas expliquer, non? Tu ne veux pas expliquer? Bagarre. Bagarre. Laisse mon ami, il va m'engager. Bon, là, s'il te plaît, j'ai moi. J'ai le bois, donc, avec le bébé, il y a l'équipe, c'est le nouveau, quoi. J'ai le problème. J'ai moi, non. Non, moi, tu as fatigué. Tu parles, Mégane. Je fais comment, je devais rester. Avec tout ce qui vient se passer là. Quelle humiliation. Oh là là. Tu me laisses comme ça. Je te laisse comme ça là. Voisine. C'est que ma chance comme ça, man. Je fais quoi pour mériter déjà le voisin ici. Comment Eman peut me faire les choses comme ça? Je me déplace de Yaoundé pour Douala pour lui. Je lui ai bien demandé s'il était célibataire. Il me dit que oui, il est célibataire. Pourtant, il gère les dossiers dans sa cité. Ah. Je ne sais même pas comment il va faire pour rentrer. Je prends le VIP pour un homme. S'il ne voulait pas le sérieux, il n'avait qu'à me dire que non, je ne veux pas du sérieux. Pourtant, je lui ai bien posé la question. Mais attends. Eman, c'est qui ici? Hey, voisin, je pensais que tu étais seule. Excuse-moi, moi c'est Mégane. La fille a dit qu'elle croyait qu'il était seul. Elle n'a pas vu mes babouches si dehors. Ou bien ça, ce sont les babouches d'un homme. La fille, ce n'est pas sérieux. Je n'ai même pas demandé à Eman des explications. En tout cas, mieux je rentre d'abord. Je m'avais dit de manger. Je crois que c'est mieux. Eman! Eman! Hey! Tu m'as voici? Eman, tu es moins que rien. Donc, au lieu de me poursuivre, tu préfères rester ici. Je sais, tu sais que tu vas crier au bandit si tu te poursuis. Et tu ne pourrais pas me poursuivre. Tu ne connais pas les choses des filles. S'il te plaît, c'est que c'est ton malentendu. C'est ma voisine, pardon. Ne t'inquiète pas. Explique-moi, alors, ta voisine te veut quoi? Viens, entre. Je ne vais pas t'expliquer de moi. Viens, allô, ma voisine. Elle veut me donner le travail. Après tout le scandale qu'elle fait la dernière fois, elle est toujours là. Ça sera une due à cul, hein. Merde. En tout cas, c'est pas tellement. Je mange même quoi. Quand mon voisin elle avait avec une femme de chez lui. Là, il doit revoir son travail. Il doit revoir la fille. Donc, même pas même pour lui parler. Pourquoi on va se m'attendre?
Mais sa fille se fait quoi comme ça? C'est drap sur le sein. En tout cas, il reste séché dans la vie. Et mes habits, jusqu'à elle touche, elle a reculé, elle recule. Maman, tu ne peux même pas t'en sortir. Là, tu ne peux pas me dépasser. Pardon, reste avec ta voisine. Pardon, reste avec ta voisine, Emman. Elle le tousse, je ne blague plus. Je vais crier au bandit, vrai, vrai. Tu peux avoir mon habit. Malchance. Et tu peux avoir mon t-shirt. Oh, j'ai mis le t-shirt là. Voisine!